fait, ce qui est important avec la cérémonie de commémoration de Yom HaShoah, c'est que c'est une cérémonie durant laquelle on lit tous les noms des déportés juifs qui ont été déportés de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très important parce que déjà, d'une part, ça participe du devoir de notre mémoire qui concerne une partie de notre identité à nous, les éclaireurs israélites. Et d'autre part, c'est un devoir de citoyen aussi, c'est un devoir qui concerne l'histoire tout simplement. Et c'est très important parce qu'on a tendance à oublier ce qui se passe en général. Et les cérémonies comme Yom HaShoah sont faites d'une part pour rendre hommage et d'autre part pour s'assurer qu'on ne puisse pas oublier ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être là ce soir ? Alors j'ai décidé d'être là ce soir parce que les scouts et guides de France et les éclaireurs israélites de France ont une histoire en commun. Le scoutisme français a une histoire forte, une histoire dans la résistance, dans le soutien aux familles pendant la guerre. Et je pense que c'est important de continuer à participer, à marquer cette fraternité, à le marquer dans le temps, surtout que... Bah, malheureusement, l'antisémitisme en particulier, mais la haine de l'autre est loin d'être, d'avoir disparu. Et je crois que les mouvements de scoutisme jouent leur rôle, mais on doit le rappeler, on doit continuer à s'engager. Donc ça, c'est la première chose, c'était pour la dimension mouvement. Et puis à titre personnel, il se trouve que moi, mes grands-parents étaient juifs, mes grands-parents paternels étaient juifs, et mon oncle... est entré dans la résistance avec les éclaireurs unionistes. Donc mon oncle juif était dans la résistance avec les éclaireurs unionistes. Moi aujourd'hui je suis scout et guide de France et voilà, il y a toute une partie de mon histoire personnelle aussi qui est là dans ces lieux. La fée est présente ce soir parce que nous avons été invités par les éclaireuses et éclaireurs israélites de France suite à la journée de la fraternité du Val-de-Marne qui a eu lieu en mars dernier. Donc c'était pour nous juste normal que de participer à cette journée-là, parce que le scoutisme c'est un mouvement de fraternité, parce que également on a un devoir de transmission en tant que citoyenne, en tant que présidente de la FE. J'estime avoir ce devoir-là et de transmettre cela de façon à ce qu'ensuite l'année prochaine, ce ne soit pas moi qui soit là, mais que ce soit des jeunes, bien sûr majeurs, mais que ce soit des jeunes qui prennent le relais et que ça se perpétue sans cesse. Pourquoi je viens ? Tout simplement parce que c'est un moment qui est super important. Je considère que ça s'inscrit dans le devoir de mémoire, mais aussi parce que c'est une opportunité de rencontrer des personnes, d'échanger, qu'ils soient scouts ou non scouts. Et c'est toujours super émouvant et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de venir. Est-ce que c'est important pour toi que ce soit la nuit ? Pour moi, le fait que les mouvements du nez soient comme ça, on dise au milieu de la nuit, c'est comme pour dire qu'on sera toujours réveillés, on sera toujours debout pour rappeler leur mémoire, pour que jamais ça ne recommence. Et voilà, on est la jeunesse et nous qui portons l'avenir. Et donc pour moi, c'est aussi une belle signification. Est-ce que tu comptes inciter tes jeunes aussi qui deviennent chefs ? Est-ce que tu leur transmets un peu cette idée-là de venir lire pour Yom HaShoah ? Tous les ans, je dis à tous mes animateurs que c'est vraiment très important. Et je leur dis une phrase qui m'a beaucoup touchée quand je suis partie en Pologne, quand j'étais en classe de première. À la fin d'un témoignage, un de nos guides nous a dit une phrase qui m'a touchée énormément et qui nous a dit « Voilà, là on arrive dans un mur avec beaucoup de noms, beaucoup de photos et tout. Si vous retenez ne serait-ce que 5 noms, 10 noms qui sont écrits sur ce mur, vous ferez vivre à travers vous ces personnes-là. » Et depuis, je me suis promis que je participerai moi aussi à ce devoir de mémoire. Et tous les ans, on reçoit une feuille comme ça où il y a écrit les noms qu'on doit lire. Et je les ai toutes depuis 5 ans, je les garde dans mon porte-monnaie. Et pour moi, c'est important de les relire de temps en temps et de jamais oublier leur prénom. Et c'est vraiment ce que je dis et cette idée-là que je veux faire passer aux animateurs, que si juste chacun de nous, on retient 5 noms, 5 histoires, 5 témoignages, c'est à travers nous que l'histoire continue, c'est notre devoir de mémoire et ça en tant que scout, juive, citoyenne française. Merci beaucoup. La toile scout.